Bienvenue dans le tout premier match de cette nouvelle édition du tournoi. On retrouve aujourd'hui le doux parfum de la coupe, cette saveur incomparable, des matchs aller-retour et du suspense incroyable qui l'accompagne. Tout le monde est impatient de débuter, y compris les arbitres qu'on a croisés tout à l'heure au moment où ils sont partis s'échauffer. C'est également le cas des joueurs, évidemment. Certains ont même fait de cette coupe leur objectif principal de la saison. C'est l'un des plus beaux stades dédiés au football. River Plate va donc évoluer en 4-3-3. C'est un système assez classique où les trois attaquants jouent un rôle très important, surtout les deux ailiers. Plus ils jouent écartés, plus il reste espace à leur attaquant de pointe. Et la perte du ballon, ça permet d'avoir trois joueurs pour presser assez haut. Et la clé, c'est leur complémentarité. Et coup d'envoi de ce match. River Plate contre le Stade Brestois. Ça revient dans l'axe. Danger repoussé pour le moment. Sur la frappe. C'est osé. Herrera lâche. Il cherche la profondeur. Mounier. À côté. Il pensait clairement qu'il avait sa chance, mais pour marquer à cette distance, il faut soigner ses frappes. Soyuncu. Avec Calabria. Palmer. Énorme occasion. C'est bien défendu. Oui, il n'a pas hésité. Premier corner dans cette rencontre. Le dégagement. Danger écarté, ça repart. Oui, ça peut faire mal. S'il le trouve. Lesmelou. Mounier. Allez, c'est Del Castillo! Calabria. Déjà plusieurs tirs dans ce match, mais les filets n'ont pas encore tremblé. On a l'impression que les deux équipes se craignent. Il ne se passe pas grand-chose. Ça peut faire mal. Aucun danger pour le gardien. Ah, quel dommage. Il était pourtant en position idéale.
Il n'a pas hésité à tacler. Va-t-il en profiter? Il reçoit le ballon. Un centre. Oh, le coup de tête! Ah, dommage, ça ne passe pas loin. Eh ben, dis donc, c'était chaud. Jérémy Pinault. Mounier. Pereira Lage. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Darder. Et maintenant Calabria. Soyuncu. La bonne passe. Del Castillo. Mounier. Del Castillo. Le ballon dans la profondeur. Il a de l'espace. Oh, l'inspiration! Hors jeu. Pereira Lage. Le bon dribble. Bien, la profondeur. Le drapeau ne s'est pas levé. Attention, le centre. Dans la profondeur. Palmer. Attention. Ça défend comme ça peut. Et ce sera leur deuxième corner dans ce match, alors que l'équipe adverse n'en a eu aucun jusqu'ici. Ils obtiennent la touche. Del Castillo. Lala. Del Castillo. Darder, qui ne se fait pas prendre. Non, ça manque d'application. Bien servi. Il peut en profiter. Il y a peut-être... Ça peut être dangereux. Il n'a pas hésité. Quel geste défensif. River Plate va frapper son troisième corner du match, alors qu'en face, ils n'en ont pas eu un. Il met la tête! Elle était belle, cette tête, mais ça ne suffit pas. Ah, mais c'est précipité, tout ça. Il doit au moins prendre l'information pour savoir s'il n'a pas mieux à faire. Il a frappé vraiment trop vite. Darder. Ça joue à gauche. Jérémy Pinault. Et cette tête! Ah, il n'a pas réussi à poser son coup de tête. Quand on a une aussi grosse occasion, il faut la mettre au fond. C'est mal joué de sa part. Se agregará un minuto al tiempo reglamentario. Palmer. Avec Calabria. Absolument perfect. Ce qui n'est pas étonnant venant de lui. Voilà typiquement le genre de joueur qu'il faut surveiller en permanence. C'est très très bien joué là. Il savait exactement où se placer pour attirer ce ballon.
fin de cette première période. Les joueurs vont aller se reposer et à mon avis, ça va leur faire le plus grand bien. Des défenses solides, des attaques qui manquent un peu de précision. Ça nous donne un score de 1-0. Bien sûr, ça fait toujours plaisir de rentrer au vestiaire en menant au score. La question est de savoir s'ils auront encore le sourire à la fin du match. 1-0, un seul petit but, c'est par les deux équipes. Aquí están los futbolistas. Cambio en el River Plate. Número 8. Número 4. Et l'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période. Número 13. C'est vrai, mais tout peut aller si vite. Ils devraient continuer à pratiquer le jeu. Ça leur a bien réussi jusqu'ici. Il peut y aller. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. Pereira lâche, il a de l'espace. Le tacle. Il est passé. Voilà un coup franc intéressant. Le voilà averti, il n'y a pas grand chose à redire. Non, il n'est pas d'accord avec l'arbitre, mais ça ne lui enlèvera pas son carton. Excellent repli défensif. Les équipes ont de plus en plus tendance à défendre haut aujourd'hui. Ça devient un peu la norme. Il y a peut-être un... La tentative. Et le cadre se dérobe largement. Ils ont bien exploité l'espace dans l'axe. Ça leur a ouvert le chemin du but. Castillo. Coup franc pour Brest. Et cette faute sera sanctionnée d'un carton jaune. On dirait qu'il s'est blessé sur ce contact. River Plate qui compte maintenant deux joueurs avertis. Sauf erreur de ma part, c'est la première fois du match qu'ils essaient de passer dans le dos de la défense, dans l'axe. Ils sont quasiment toujours passés par les ailes. Le bon ballon. En retrait, avec Darder. La quantité de spectateurs de ce partido. Dites-moi, Darren, votre sentiment sur cette rencontre. Il y a toujours 1-0 seulement, le temps joue pour eux. C'est joué dans l'espace. Le tacle. Il est arrivé à se mettre en position, mais il n'a pas pu déclencher. Pereira lâche. Darder.
l'ouverture du score juste avant la mi-temps, ça fait toujours du bien. Il mène donc 1-0. Il y avait mieux à faire là. Le contre était super bien amorcé. Ça avait suivi. Dommage. Il est tout seul. Oh, il centre. Et la tête. Il était bon ce centre, mais manque d'efficacité à l'arrivée. On voit qu'ils ont vraiment envie de ce but. Vous avez vu le nombre de joueurs qu'ils avaient dans la boîte? On va assister à un changement. C'est sans doute plus sage de le sortir maintenant. Il a déjà été averti. Cambio en el River Plate. Numéro 12. Numéro 5. Entran. Numéro 23. Numéro 22. Pas mal ça. Il se rend pour Brest. Et il prend donc un carton jaune. Et cette faute pourrait l'obliger à sortir. River Plate qui a désormais trois joueurs avertis. Se está realizando un cambio. Il avait mis beaucoup de puissance, c'était presque parfait. Ce ballon bien dosé. C'est dégagé, loin devant. Ce Yunchu. Il allonge le jeu. Passe aller jusqu'au bout. Et ça fait but. Et voilà. Il a débloqué son compteur but. Ils ont opté pour la simplicité. Oui, le service était impeccablement dosé. Ça l'a parfaitement lancé. Et derrière, il ne tremble pas. Gol del River Plate, convertido en el minuto 75. Número 13. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. Alors là, c'est un but qui fait du bien. À 2-0, ils peuvent voir venir. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show.
La tentative. Oh, la main ferme. Ils sont passés tout près du 3-0. Il aurait pu les mettre définitivement à l'abri et il le sait. Mazraoui. River Plate qui mène toujours 2-0. On voit mal maintenant la victoire lui échapper. Voilà une bonne occasion de contre. Il relance côté droit. La longue passe. C'est bien fait ça. Centre tendu. L'ouverture lumineuse. Ça peut partir en contre. Ça joue long. Un long ballon vers l'avant. Quel timing dans l'interception. Attention au contre. Se van a jugar 4 minutos de compensación. Non, ça manque d'application. Il y a de l'espace, il faut en profiter. Oh, attention! Dommage! Et je crois que le gardien sait qu'il n'était pas sur la trajectoire. Il sera pour Brest. Oh, il s'en sort bien, l'arbitre ne sort pas de carton pour cette fois. Lala. Desmelou. Le bon Desmelou. Oh, but! Cette fin de match pourrait devenir hallucinante. La défense était bien présente, mais il a trouvé une brèche. Vous pouvez le marquer de près, de loin, seul ou à plusieurs. Lui, il s'en fiche. Il s'est débarrassé de tous les défenseurs avant de marquer sur ce tir imparable. Numéro 20. L'arbitre siffle, le match est terminé. Oh, ça a été vraiment disputé jusqu'au bout et à l'arrivée, cette victoire par un petit but d'écart, que c'est beau. Alors, que retenir de cette rencontre, Darren? C'est une équipe qui possède d'excellents joueurs dans l'axe et comme souvent, c'est eux qui ont fait la différence. Et on est malheureusement obligé de se quitter maintenant, Darren. Merci d'avoir vécu ce match à mes côtés. Très belle soirée à vous tous et à très bientôt. Tout le plaisir a été pour moi. Señoras y señores, en la pantalla se mostrará información de la policía local.